World of Warcraft Objectif 100, épisode 39, c'est parti, c'est pour aujourd'hui, et aujourd'hui nous sommes au calme, il n'y a pas d'Yarkos, Yarkos n'est pas parmi nous, mais j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir notre petit ami, le petit bonhomme des montagnes, dans l'épisode précédent. Alors, je me retrouve à nouveau dans l'arène, puisque visiblement je n'ai pas terminé, la dernière fois j'étais avec Yarkos, donc j'allais pas faire tout le temps l'arène, et je suis donc prêt pour la deuxième épreuve, je ne sais pas combien il y a d'épreuves au total, on verra bien. En tout cas, la dernière fois, rappelez-vous, c'était sur un petit cochon que se trouvait le mob. C'était fort marrant. Moi, ça m'a plu. J'ai trouvé ça rigolo. Et là, cette fois-ci, nous nous battons. J'ai le son qui est très fort dans mes oreilles. Du coup, ça me perturbe. Ah, voilà, c'est mieux. Parce que c'est pas pratique. C'est quand tu t'écoutes parler, mais que tu t'entends pas. Enfin, tu m'as compris. C'est pas grave. Regardez bientôt level 100. Patati patata. Dans un éclat de je ne sais pas quoi, mange du rat, voilà, je savais pas quoi dire, je suis perturbé, je m'attendais pas à avoir autant de mobs d'un coup en fait, et en plus ça me stun, ça me casse mes sorts et tout, c'est juste une horreur, et du coup bah, j'avoue que ça m'a un petit peu perturbé, bah voilà, je suis à nouveau perturbé, oh que c'est pas pratique dis donc, ouh ça sent l'impôt des mains dans pas longtemps, mais dis donc, je vais rester comme ça pendant combien de temps là, ah bah voilà. Non, dit Duke, c'était long. Allez, on va se faire une impôt des mains. Parce que là, ça devient quand même. Ça devenait un petit peu urgent. Allez, AOE à nouveau. Encore une AOE. Petit marteau du courroux. Ouh, j'aurais jamais dû commencer la vidéo comme ça directement par un duel en arène. Parce que là, du coup, je me rends compte que j'ai un petit peu de mal à faire le commentary. À jouer en même temps pendant que je tournicote dans les airs. C'est tout sauf agréable. C'est bon? Ok. Je suis largué. Putain, ce que c'est chiant! Allez, quoi, mais j'ai pas passé tout le combat comme ça à m'envoler! Allez, à la 1, à la 2, à la 3, retombe sur tes pieds! Merci! Ah, bah voilà, il est mort! C'est bien! Tout est bien qui finit bien! Finalement, on a réussi! Non, on n'a pas fini! Si, on a fini, il est mort, on est d'accord! Le prochain combat sera pas aussi simple! Oh bah c'était déjà assez compliqué pour moi là. Du coup on va faire des quêtes normales je pense. À faire du bien ça des quêtes normales. Hein. Allez, on va aller valider déjà ce combat. Bonjour petit gobelin. Ah bah yo, comment ça va? Triompher de Lila dans l'arène des épreuves. J'ai quand même bien envie de le faire moi. Ouais mais j'ai plus d'impôt des mains. Mais j'ai remarqué, en attendant on va attendre que l'impôt des mains se refasse. Il y a plein de trucs à valider de tous les coins. Donc on va aller en valider un. On va prendre au pif celui-ci. La caravane disparue. Trouver la cargaison de marchandises perdues. Je pense que ça c'est plutôt facilement faisable. Et en plus regardez du coup on se balade dans les vertes prairies de Nagrande. Qui est une zone quand même verdoyante. Et ça fait plaisir d'être ici. Parce que c'est franchement joli et agréable comme zone de quête. Je dois l'avouer. Ça c'est agréable, c'est agréable. C'est hostile, non c'est pas hostile, donc tout va bien. Bonjour, comment ça va? Voilà la cargaison de marchandises perdues. On va s'en approcher. Comment va? On va bien. Les voisins doivent se demander pourquoi je parle comme ça. Comme un teubé. Ok, bon, on doit en faire des choses là-dedans. Ok, déjà on doit tuer ça. Donc ça, ça va. Le jugement. Alors je sais pas si ça a frappé à la porte ou pas. J'ai l'impression... Donc je vais juste terminer ici. Voilà, et je vais aller voir si ça a frappé à la porte. Un petit instant, je reviens. Voyons voir, suspense. En espérant qu'il n'y ait pas d'ordeux qui passe. Bon bah non, ça ne frappe pas à la porte. Moi, j'ai entendu des voix. Ça devait être le voisin qui a dû taper. Ou j'en sais rien. J'ai pas tout suivi. Enfin, bref, j'espère que je vous ai pas manqué pendant cette petite absence de... Allez, ça a duré quoi, 20 secondes? Bon, je sais que pour vous, ça a dû paraître très longtemps. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Trouver le trésor volé. Oh, j'ai déjà plein de quêtes, ma choupinette. Oh, ça rime, c'est bien. Bon, allez, on a sûrement une zone de merde. Tiens, ça. Allez, abandon. Voilà, maintenant je peux prendre ta quête. Nickel. Et puis tu vas me laisser tranquillement aller piocher. Hein. C'est l'aventure de toute une vie. Bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de petites aventures, hein. Il n'y a pas de petits combats. Il n'y a que des challenges et des actes héroïques. Disons, j'ai du mal à savoir ce que je vais raconter aujourd'hui. Hein. J'ai aidé, vous avez vu non, franchement. Entre nous, j'ai rien vu. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Ah bah ici ils sont deux, je parie que si j'en tire un, il y a le deuxième qui vient. Bah tiens, c'est comme les couilles ça, c'est toujours par deux. Allez, petit AOE, parce que moi j'adore ça.
Une deuxième petite aveu. Et puis on se fait un petit marteau de courroux et on passe au deuxième. Le deuxième qui va prendre cher, qui va prendre sa misère, qui va pleurer dans les jupons de sa mère parce qu'il est mort. Hop. Oh, des griffes. J'en rêvais. J'adore les griffes. On pourrait presque passer level 100 dans cet épisode. On verra si c'est le cas. On verra ce que vous réserve le petit Foufflet, le paladin légendaire. J'allais dire Foufflon, le roi du canon, mais ça c'est un autre jeu, ça. C'est dans Star Wars. Allez, meurs, sale brigand. C'était dingue. Oh, c'est dingue. Ok, c'est dingue. Bon, là, il y en a un. Allez, un petit jugement, comme ça, on l'aggro. Petit exorcisme, hein. Allez, 5000, c'était pas exceptionnel. On a connu mieux. Mais bon, le principal, c'est que sa vie, elle descende plus vite que la mienne. Et en parlant de barre de vie de la mienne, on va remonter un petit peu tout ça. Ah, un petit soin à 49 000, c'était quand même agréable. Ça gratte, c'est comme j'ai des poils de barbe. Parce que je suis un homme, je peux me gratter dans mon menton. Fabuleux. Et tu parles, toi, si on te clique? Ah non, toi, t'es une feignasse, tu ne parles pas. Ok. Bon, allez, il me faut des griffes, là. J'espère que tu t'es pas fait les ongles avant de combattre. Hein, parce que moi, je vais avoir besoin de tes ongles, de tes griffes. Allez, meurs, vil méchant. Mais non, t'as pas aidé. Arrête de te la raconter. C'est moi qui fais tout, là, pour l'instant. Espèce de côtelette. Allez, viens ici, toi. Ouh, je sens que t'as des griffes. Ouh, je le sens bien. Je vais te les vernir en rose, tiens. Tu seras des plus mignonnes. Et ben voilà. Non, elle a un petit coup blanc. Voilà, c'est bien. Un coffret en verre acier. Super, j'adore avoir des trucs que je ne sais pas ouvrir. Il y a un... Ah non, je crois... Ah si, il y a un truc à ramasser. On va aller ramasser ça juste après. Allez, Vilgudin, meurs. Ok, on est à 9 sur 10 au niveau des griffes. Ici, on a un sac de marchandises volé. Oh putain, il en faut 10, ok. On va y arriver, il n'y a pas de raison. 10, qu'est-ce que 10, hein, dans toute une vie? Qu'est-ce que 10? Ce n'est rien. Tiens, regarde, il y en a déjà un ici. Ça en fait 2. Voilà. Ensuite, on va aggro celui-ci. Bonjour, mon ami, viens faire des bisous. Exorcisme. Frappe du croisé. Petite expulsion, comme ça, j'aime bien me faire bump. C'est bien, une petite flagellation de fesses comme ça qui t'expulse en arrière. Allez, allons voir, ici on a aussi un objectif de quête. Hop. Oui, j'ai sauvé un gobelin. Bon, ça c'est pas le rêve de toute une vie, je vous le dis. Hein. Bon, il y a sûrement un petit sac dans le truc, on va aller voir ça. Coucou. Non, je vais taper celui-là, je préfère. Je sais pas, j'ai une petite attirance pour celui-ci, il me semble plus gentil et plus docile. Ou dis donc, ça c'était de la hausse, ça. Moi aussi, je veux lancer des cailloux comme ça dans une allée. Ah bah tiens, et en plus j'ai aggro. C'est un carnage que je suis en train de faire. Un génocide de bestioles, de marteleurs. Ah, normalement avec celui-ci t'es mort. Puis après on va se faire un soin, parce que mine de rien, on prend cher quand même. Hein. Hop, est-ce qu'on va se faire un coup critique? Enfin, un soin critique. Ouais, 49 000, comme celui d'avant. Allez, voilà, allez, on est quasiment full life, c'est bon. Ah bah, il y a une caisse là-bas, une cage. Nickel. Bonjour, tu es le gardien des cages. C'est triste comme boulot, hein, parce que ça t'assure une mort certaine et douloureuse. Non, t'as pas aidé, arrête de te la péter, toi. On dirait dire cause, celui-là, t'as vu ce que j'ai fait. Mais non, mais t'as rien fait. Si, j'ai fait. Hop, et un petit sac, elle était rentable cette grotte. Voilà, moi j'aime bien quand les grottes elles sont rentables comme ça. Ça on perd pas son temps. Il y en a encore une ici. Il y a un sac ça. Oui, c'est un sac. Hein. On n'oublie pas beaucoup les sacs ici. Merci. Alors j'ai envie d'éternuer. Ah bah voilà, c'est fait. Bon. Alors, on a un sac ici. Il y a quelqu'un qui dort à côté. Oh, j'ai aggro, je veux le sac avant. Oh, ça va, j'ai eu le temps de prendre le sac. Et on a aggro le deuxième qui dormait, évidemment. Mais non, c'est pas encore prêt. Mais ça va l'être, regarde, voilà, c'est prêt. C'est encore mieux avec une AOE. Hop. Et toi, petit jugement, je te juge pas gentil. Non, ouais, pas gentil, moi je te tue. Voilà, en plus t'es moche. Ah mais normalement j'aurais dû t'assommer, parce que quand on est moche, on assomme. Il y a un sac là. Ah, mais il y a un minerai ici, putain. Elle avait pas vu. Ça fait penser que j'ai mal à l'œil, tiens. Pour changer. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est vrai que ça peut faire popper des monstres dans les minerais. Ah, saleté. Allez, après on se fera un petit soin, parce que, dis donc... Hein? Bah voilà, quoi. On s'est compris, les petits amis. Allez, un petit soin. À chaque fois que je fais un soin, il est critique, c'est cool.
Voilà, merci. Que tu es moche. Oh, que je t'assomme. Que je t'aime. Ou pas. Allez, et puis on va pas oublier d'ouvrir la cage qui est juste à côté. Ce serait dommage de laisser un gobelin enfermé, hein. Oh, cette lentille. Voilà. Bon, on va dire que ça va. Alors ensuite, voyons voir. Là, il y en a un qui dort. Est-ce que je peux piquer le sac? Putain, il dormait pas vraiment. T'as feinté le sommeil, toi. J'ai pas d'autre solution. J'ai pas d'autre réponse. Par contre, putain, qu'est-ce que t'as pris cher? Non, j'ai pas envie de t'apprendre à te battre parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Il y a des vidéos à faire. Allez, libération ultime de gobelins. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un squelette, ça, qui pendouille? Ouh, quelle grosse tête squelettique. C'est pas beau du tout. Ok. Et on n'a pas oublié un sac. Non, ça, c'est pas vraiment un sac. Là, il n'y en a pas. Non. Eh ben écoutez, normalement, on a rien oublié dans cette caverne. Ça aurait été dommage de passer à côté d'un objet, d'un item de quête et de ne pas l'avoir pris. Donc, allons voir à côté puisqu'il y en a encore une. C'est la foire aux grottes ici, dis donc. C'est un HLM de grotte. Bonjour. Alors, ta grotte est très petite à toi. J'espère qu'il y a au moins un sac. C'est trop loin. Non, c'est pas trop loin. Regarde, voilà, il suffisait de se rapprocher. Petit jugement et ça t'a terminé. Eh ben voilà. Putain, il n'y a rien. Oh, c'est la loose, ta caverne à toi. Je t'aime pas, je boude. Je boude et je m'en vais. Hop, je lui fais ma babouche. Oh, mais dis donc, on me suit, hein. J'ai des fans, tu veux un autographe? Eh ben écoute, je vais te le tatouer sur la fesse gauche. Ou sur la droite, je ne sais pas, je verrai. Selon tes envies ou mon humeur. Merci. Bon, il y a une cage ici. Toi, je sais pas ce que tu es en train de traficoter à la cage, mais laisse cette gobeline tranquille, je dois la libérer, sinon je peux pas terminer ma quête. Hop, merci. Bon, il y a lui qui arrive, donc forcément, hein, on va se le faire, parce que de toute façon, j'arriverai pas à la cage sans la grotte. Allez, ouais, allez, c'est ça, brise-moi les os, et moi je vais te briser les couilles, voilà. Hop, libération de gobelins, 5 sur 6. Hii. Ils font dodo, mais ils font foncement dodo. Je me ferai pas avoir deux fois. Non, normalement, niveau libération de gobelins, on doit être bon. Ouais. 6 sur 6, nickel. Là, on a un sac. Au niveau des sacs, par contre, on n'est pas bon. Allez, on va aller voir dans cette caverne, voir s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose. Bon, déjà, il y a quelqu'un, d'office. Il y a un ennemi. Et de toute façon, le marteleur Sabregueule, on n'en parle plus, puisqu'il est mort. Alors, voyons voir. Non, il n'y a rien. Hein. Oh. Ah oh là là, c'est une pauvresse. Il y a des sacs là-haut. Ah, parce que toi, t'es hostile, toi. Ah, t'es comme ça, toi. Ah, le piaf de garde. Qui m'étourdit, en plus. Salut Soufflé, serait bientôt la fin de l'épopée du paladin légendaire. Mais non, il n'y a jamais de fin à la légendarité de Soufflé. Hop. Oups. Salut les potes. Excusez-moi, je m'invite comme ça, l'air de rien. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde au-dessus. Je me suis fait un petit peu surprendre. Mais ça va, on gère. On gère de la fougère, on gère Albert. Hop. Exorcisme. Frappe du croisé. Verdict du Templier. Nickel. On va se faire un petit soin. Non. Voilà. Oh, on va pas y arriver. Tout a une fin. Sauf la banane. Qui en a deux. Bon, j'ai foiré mon lol, mais c'est pas grave. Bon, ah, ça se ramasse. Eh, on avait dit que ça se ramassait. Ah, c'est tout. Ah, ok, c'est pour toi, d'accord. Elles sont toutes là. Eh ben écoute, je suis content. Si tu es content, je suis content. Mon précieux. Oui, bah écoute, pendant que tu fais l'amour à tes objets, moi je vais tuer celui-là. On sait jamais, peut-être qu'il peut looter un truc sympathique. Énorme. Bah, eh ben oui, bah comme ma bite. Hop, bah voilà. Écoute, je suis ravi de t'avoir aidé, petite chose. À la revoyure, Fouflet. On peut faire équipe quand vous voulez. Oui, bah t'as pas aidé à grand-chose, mais bon. Est-ce que toi, tu as des sacs dans l'intérieur? Oh, là, il y a un sac. Putain, on a failli le louper. Oh là là. Je m'en serais voulu.
Allez, bonjour, je m'invite. Je viens faire vos poches. Enfin, vos sacs surtout. Et tu m'as pas l'air d'en avoir. Je suis très déçu. Pourquoi je fais une AOE, t'es tout seul? Je ne sais pas, il y a aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est moi qui vous le dis. Mais c'est qui s'excite le petit là? Ah, c'est pas Trasoir, ok, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus longué à tuer. On l'avait déjà tué pour une quête celui-ci. Flûte. Bah écoute, hein, je te refais les fesses une deuxième fois. Hein. T'avais aimé ça la première fois, pas de raison qu'on s'en passe. C'est moi, t'as chié sur ton tapis. Ah, puis elle fume en plus. Oh, mais là aussi, je suis sûr que j'ai marché dedans. Ce serait dommage de mourir contre un mob parce que j'ai marché dans sa merde et que j'ai glissé. Hein? Ah oui, ce serait la loose. Bon, il manque des sacs. Sac à patates. Là-haut, il y en a un. Ok. J'y accède par où, moi? C'est pour. Putain, en plus, je l'ai déjà fait le chemin une fois, mais je m'en rappelle plus. Tu parles. Ah oui, par là, je crois. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. Nickel. Voilà, là, il y a un sac. Hop! À combien on est dans les sacs? 9 sur 10, putain, il en manque plus qu'un. Est-ce qu'il va y en avoir par ici des sacs? En voilà une question qui est bonne, à laquelle je ne saurais vous répondre. Sinon, je ne poserai pas la question, réfléchis deux secondes. Ouh! C'est fort en chocolat. Non, là, on avait vu qu'il y avait un cadavre, on l'avait vu la dernière fois. Alors, voyons voir. On a l'impression de faire des jumping puzzles ici. Il me semble que j'avais déjà fait la même réflexion d'ailleurs aussi, également à la fois où j'étais passé. Voyons voir. Donc ici, il y a des ennemis. Ça, je le vois. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de sacs. Non, il n'y a pas de sacs ici. Oh, c'est la loose. C'est la loose finale. Aïe. Ouille. Je glisse sur les couilles. Oh là là. Ok. Alors, où va bien pouvoir se cacher le dernier sac? La dernière sacoche, l'ultime sacoche. Nous sommes à une sacoche de la gloire. Ouais, allez, viens, c'est bon. Fais-moi des bisous. Là, il est là, le sac, je l'ai trouvé. Ok, nickel. Viens là que je t'assomme. Donc, on fait comme d'habitude, hein, jugement, exorcisme, frappe du croisé. Verdict du Templier et puis marteau du courroux. Évidemment, j'aggro l'autre, hein, d'office. Il est passé tellement près qu'il a dû sentir ma délicieuse odeur subtile et sexuelle. Mon odeur sexualisante. Il a dû flairer le rapport sexuel. Allez. Ouh. Et ben voilà, on n'a plus qu'à rendre toutes ces jolies petites quêtes. Voyons voir. Et ça se rend ici. Je pense. Non, ça se rend pas ici. Ça se rend tout là-bas aux arènes. Ok, ça marche. Alors, on va passer, on va s'en foutre royal de l'agro possible et probable, mais c'est certainement sûr qu'on va faire de l'agro, voilà. On va espérer ne pas se faire dismount, et on va filer directement à l'item de quête, enfin au PNJ pour lui rendre la quête. Ok, c'est bon, niveau agro. Vous pouvez pas faire plus, je crois, dans cette zone. Ouh là là, il y a du monde qui veut me faire les fesses. Vite, 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 Taïos. Ah non, ça, on s'en fout. Le fabuleux fortin auquel nous allons rendre notre aventure pour obtenir de l'expérience en échange de toutes ces morts et toutes ces vies brisées. Car oui, j'en ai brisé des vies et des couilles dans ces quêtes. Alors, c'est de l'autre côté. Ok, évidemment, ça aurait été plus simple si c'était à l'entrée. Mais non, c'est de l'autre côté. Mais c'est pas grave, on a une super monture qui nous accompagne. Comme ça, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. C'est toute la monture qui fait les efforts. Voyons voir. Tu es où? Je ne sais pas où tu es. Certainement un tout petit machin. Ben voilà, en parlant de petit machin, c'était donc ça. Oh oui, montre-moi tes marchandises. Alors, on accepte. Ok, c'est bon. Je regarde à quel point augmente l'XP. Donc ça, c'est un objet de coup qui a un... Qui, ouais, on va le mettre. Hein. Ah ben en plus, on l'a eu en bleu, dis donc. N'est-ce pas merveilleux, le gorgelin? Le gorgerin? Gorgerin? Je sais pas comment on prononce. Gorgerin, ouais, y a pas de U. Eh ben écoute, on va pas s'emmerder, hein. Hop, voilà. Et il reste encore une quête. Le temps, c'est de l'argent. Et toi, tu m'offres des sous et de l'XP. Ok.
Ça marche. Bon, je vais refaire le petit combat au milieu de l'arène. J'ai envie, je suis motivé, puis j'ai mon impôt des mains qui est revenu. Pardon, petit rototo. Donc, c'est tout bénef. Bonjour, monsieur, madame. Je suis prêt pour la troisième épreuve. La troisième épreuve est sur le point de débuter. J'espère que vous aimez souffrir, parce que vous affrontez... Allez. Oyela a tué son dernier adversaire avant même le début du combat. Ah, il l'a tué carrément avant le début du combat, mais moi je me laisserai pas faire. Il est hors de question que je me fasse tuer, je veux réussir cette quête. Bon, il avait quand même spécifié que le combat était plus difficile que le précédent, celui-ci. Hein. Pour l'instant, sa vie descend super vite, mais la mienne aussi. Oh, bah dis donc. Ça a été vite. Je pensais franchement qu'il allait avoir un deuxième truc qui allait se passer. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon impôt des mains. Eh ben non. Bon. On va voir le prochain combat. Ah, t'es toujours pas impressionné, bah écoute, pourtant je me suis donné à fond. Le temps, c'est de l'argent. Donc le prochain, triompher du capitaine Boum Étincelle dans l'arène des épreuves. Ok. Eh bah écoute, allons profiter. Nous... Ouais, mais on a plus... Bon, on va tenter sans l'impôt des mains. On n'a pas une potion qui se cacherait quelque part, une popo de soin. Ça pourrait toujours faire sa petite affaire. En même temps, on peut toujours bubule, hein. Réduit tous les dégâts magiques, et ça, c'est tous les dégâts. Tous les dégâts et de tous les sorts. Ouais, on peut faire ça et des soins, de toute façon. Allez! Allons tatillonner le prochain. Le combat suivant va débuter. Vous allez un mecha. Le capitaine Boum Étincelle. Ok, Boum Étincelle. Ah merde, on peut pas le stun, le vilain. Avec Boum Étincelle, c'est quand on mange ses adversaires rôtis à souhait. C'est qu'il pose des bombes en plus, le petit bidule. Ok, ça va être chaud culotte, hein. Mais on va quand même le tester parce que nous sommes un paladin légendaire et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je suis en train de me prendre des coups de scie circulaire dans la gueule. Putain, je le sens passer, hein. Allez, je peux toujours pas te stun, hein. Non, on met les ailes. Mais si, c'est prêt, regarde, voilà. Et il me dégueule du feu à la gueule. Ah, je veux pas mourir. Allez, on va se faire des soins là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, arrête ton incinérateur là. Nickel. Ah, il dure super longtemps son incinérateur. C'est abusé, c'est la folie. Putain, même le bombardement, on peut pas lui arrêter, quoi. Non, tu ne me chaufferas pas les fesses. Tu ne me crameras pas les poils de fesses. On a dit non. Interdiction. Allez, 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 allez. Termine ton incinérateur, nom de Dieu. Merci. Allez, une petite AOE. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. Capitaine Boum Étincelle qui se retrouve rôti. À fond, il est en train de pourrir en feu, le pauvre. Oh, c'est triste. C'était tout mignon. Enfin, c'était mignon, il avait quand même il était quand même en flamme. Hein. Mais bon, allez. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Ah, c'est pas fini. Ah, on gagnerait quoi? Tout ça pour des poignets? Je suis triste. Triompher de Roak dans l'arène des épreuves. Que la journée soit bonne. Eh ben écoute, ça fait une quarantaine de milliers d'XP. Et tu en rapporterais combien? Ah, ça va, on peut le faire. Bon, on va tester, hein? Allez. Moi j'aime bien les arènes. C'est chaud culotte, mais j'aime bien. Allez. Bon bah, c'est encore moi, hein. C'est encore Foufflet. Le seul, le vrai, l'unique. Ok.
Mais on va y arriver. On va y arriver. Déjà, on va l'assommer direct. Ça marche pas. Oui, et eh ben écoute, pour l'instant. Tournez-vous. Yeah, je l'ai évité ta lumière aveuglante. Non, tu ne mourras pas avec toutes tes épées qui tournoient. Où es-tu? Viens ici. Ah, la lumière aveuglante. Je dois m'approcher. Oui, allez, on s'approche. N'est pas encore utilisable. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, quel couillon. Voilà, je me tourne. Putain, la lumière aveuglante. Ça va, on l'a pas eu. Allez. Eh, d'où tu m'expulses? Je ne suis pas à portée. Ouh. Un petit soin. Allez. Ah, je peux te refaire une petite condamnation à mort, nickel. Ce n'est pas encore prêt. Non, c'est pas encore prêt. Allez, pendant qu'il fait sa lumière aveuglante, on se soigne. Ça, c'est cool, finalement, qu'il fasse sa lumière aveuglante, parce que ça l'oblige à rester sur place pendant un petit temps, le temps de son incantation de sort. Et moi, pendant ce temps-là, bah, résultat, je peux me faire un soin. Et ça, c'est plutôt agréable à avoir, comme petit temps de pause. Hop. Voilà, on va faire le tour du poteau. Tiens, il y a un truc ici. Ah, non, je croyais que c'était un truc à ramasser, mais non. Allez, 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 allez. Lumière aveuglante, ok. On se soigne. C'est trop loin. Mais non, c'est pas trop loin. Zboubinette, va. Moi, je veux juste pas qu'il me touche avec ses épées. Je suis pas ah. Ok, on se tourne. Voilà, on est tourné. Non, je ne contemplerai pas ton petit éclat. Je ne sais pas quelle allusion sexuelle il y a cachée derrière ça, mais je ne vais pas contempler ton petit éclat. Viens contempler mon gros éclat cochonne. Hop, on se soigne. Je ne suis pas à portée. Il est quasiment mort là. Ah, ça faisait des petits cœurs. Yeah, regardez tous ces confettis, c'est pour foufler. C'est presque pour dire qu'on est bientôt level 100. Le nouveau vainqueur de la reine. Oui. L'écraserait comme un insecte. Ouais, c'est ça, t'as vu le Vina là? Vous, pas digne de combattre Vulgor. Vulgor. Bonjour. Le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, niveau, bah, moi, c'est mieux ce que j'ai quand même sur moi. Portez-vous bien. Ok. Tu me proposes pas de quitter tout de suite, y a pas de suite ni rien. Non, y a pas de suite. Eh ben, regardez, nous sommes à 98% du level 100. Et ça, c'est quand même franchement le signe de la fin de l'aventure. Mais le prochain level, enfin le level 100, on va le franchir dans le prochain épisode qui sera sans nul doute le dernier épisode d'Objectif 100. J'espère que ça vous a fait plaisir cette petite aventure pour aujourd'hui. Si c'est le cas, un petit pouce positif sous la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu viens de le faire. Sache que je te souhaite la bienvenue. Et puis voilà, hein. Bah, des gros bisous à tous. Oui, aujourd'hui, je suis un petit peu perturbé. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit peu de mal à faire mon commentary. J'espère que vous m'en pardonnerez. Sur ce, à bientôt les amis. Ciao. Bye bye. Salut les gens.